Comment un Dieu qui les aime, il les fait sortir de l'Égypte. Et il les fait passer par un chemin détourné. Il dit de peur que le peuple, en voyant la bataille, ne commence à prendre peur et va se retourner. Il ramasse le peuple et va faire traverser la mer. C'est quel Dieu bizarre ça? Parce qu'à ce moment, les gens ne peuvent plus comprendre Moïse. Non, Moïse, tu es fou, mais bon. Voici pour nous, là, on va passer la partie. Mais toi, tu veux faire passer par la mer. Ils sont assis là. Je sais qu'il y a des gens qui ont voulu comme Moïse. Un bâtard comme ça. Même il est perdu. Moïse prend le bâton, il lève. Moïse n'a jamais accompli des gars. Alléluia. Le bâton, là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Alléluia. De cette même manière, Dieu aussi t'a récupéré dans le monde. Mais il y a un chemin par lequel tu dois passer. Le peuple d'Israël a fait au moins près de 40 campements. C'est au 33e campement que Aaron est mort, le sacrificateur. Ça aussi, c'est prophétique. Jésus aussi, quand il vient sur la terre, il meurt à l'âge de 33 ans. Parce qu'il avait déjà accompli ça avant. Le sacrificateur Aaron est mort au 33e campement. Jésus est merveilleux. Hein? Il fait passer par le désert. Désert. Et il a dit dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1, je vous fais passer par le désert pour voir quelles sont les dispositions de votre cœur. Pour voir si vous m'aimez réellement ou bien si vous faites semblant de m'aimer. Alléluia. Donc ne te dis pas que parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas passer par le désert. Tout évangile qui dit que parce que Dieu t'a aimé, tu vas réussir, tu vas voyager, tu vas entreprendre, tu vas te marier, c'est faux. L'évangile ne dira pas seulement que tu vas te marier, mais l'évangile doit te dire que tu vas passer aussi par le désert. Et dommage, vraiment dommage. Quand on arrive à l'état de désert, il y avait 3000 personnes qui dorment. Amen. Donc dans la marche que nous sommes en train de faire, il y a 23 000 personnes aussi qui vont mourir. Il y a des gens qui n'entreront pas. Maman, attention. Il y a 23 000 personnes qui vont mourir. Je vous le dis en vérité, c'est Dieu qui fait exprès pour que les 23 000 meurent. Parce que si les 23 000 ne meurent pas, tu ne peux pas entrer. C'est pas possible. Or, ces 23 000 qui sont morts, c'était tous ceux qui étaient de la première génération. Eux tous ont disparu. Ce sont ceux qui sont nés dans le désert, qui ont grandi dans le désert, accompagnés de Josué et puis Caleb qui sont entrés. Mais pourquoi? Quand tu arrives à l'étape du désert, Dieu doit enlever la vieille nature en toi. Dieu doit enlever les générations passées en toi. Dieu doit détruire ta vie pour que tu deviennes comme un enfant. Selon qui dit que le rang des cieux est semblable au haut, les gens n'ont pas compris parce que quand tu es enfant, lui, tu vas au ciel. Faux. Tu es enfant, tu fais des conneries, tu descends en enfer. Mais celui qui est enfant, c'est celui qui a accepté que le 23 000 puisse mourir. Le désert est un temps où le Seigneur va te détruire, frère. Je te dis la vérité. Pour que tu deviennes cet enfant-là, qui est conduit par Josué et par Caleb. Mais qui sont Josué et Caleb? C'est là aussi la question. Nous avons été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Dieu prend l'image de Josué et de Caleb pour expliquer que toute personne qui sera un enfant et qui se laissera conduire par les prophètes et par les apôtres va entrer. Amen. Jésus sait que le peuple ira à la bataille. Mais ils ne sont pas allés faire comme dans les camps militaires. Mais il dit à Josué que le livre de la loi ne se rend pas de ta bouche. Donc le peuple que nous devons aller combattre, tu nous l'as dit que quand nous allons arriver, nous allons combattre cette nation. Mais normalement, tu dois nous donner les caches. Tu dois nous donner les pistolets de fichiers. Donc, le peuple d'Israël pensait qu'ils allaient au camp militaire. Ils pensaient qu'ils allaient leur donner grenade. Mais ils arrivent au désert, Dieu leur donne la loi. Il dit que ce livre de la loi ne se rend pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Les gens ont mal compris l'évangile. Ils pensent que l'entreprise là, c'est ce que Elon Musk a construit. Ils pensent que c'est ce que Bill Gates a mis en place. Comment on peut comprendre l'évangile comme cela? Donc aujourd'hui, tu vois dans toutes les assemblées, il faut que tu marches sur la parole du Seigneur pour que tu aies du succès dans tes entreprises. Quelle entreprise? Tu n'as même pas entreprise, tu n'as rien. Tu as entreprise. Rien. Tu travailles même pour les gens. Mais tu as reçu comment dans quelle entreprise? Amen. Amen. Parce que Dieu a déjà vu qu'ils allaient entreprendre de faire la guerre. Il dit c'est le livre de la loi qui va te permettre d'avoir la victoire sur les ennemis. Oh, la parole du Seigneur déclare que la parole est une épée tranchante. Tranchante du moins, pardonnez. Donc, l'âme qui devait être donnée, c'était une épée. La parole du Seigneur déclare dans l'une des problèmes que le cheval est équipé pour la bataille. Donc Dieu, quand il veut combattre, il a besoin d'un cheval. Et ce cheval-là, en ce temps, c'était le peuple d'Israël. Et lui était le cavalier qui était monté dessus pour aller détruire les ennemis. De cette même manière, aujourd'hui, Dieu va t'utiliser comme un cheval. Et lui sera le cavalier pour détruire le monde. Dieu dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez aller dans ta ville, détruisez tout, dévouez tout par interdit. Mais ce n'est pas Dieu qui descend pour aller combattre, mais c'est le peuple d'Israël qui est allé combattre. Parce que Jésus-Christ, l'Éternel des armées, a utilisé le peuple d'Israël comme son char. Et lui, il est dessus pour pilonner les adversités. Je prie qu'au sorti de ce moment de 3 jours, que tu deviennes un char que Jésus va utiliser pour pilonner le monde entier. Là, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Je ne veux pas m'appartir. Je dis, oui. Je ne suis pas prophète. Mm-hmm. Mais moi, je prophétise selon ce qui est écrit. Mm-hmm. On va laisser la prophétie au prophète. Mm-hmm. Amen. Amen. Je déclare. Mm-hmm. De la même manière que le Seigneur a utilisé le peuple d'Israël comme son char pour combattre les adversaires. Mm-hmm. Je prie que le Seigneur a utilisé aussi pour combattre les adversaires. Amen. Jésus. Mais avant, ça n'est pas de préparer. Mais c'est au moment de la préparation là, que beaucoup commencent à sortir de la bergerie. Pour les voici, il n'y a pas de lèvres ailleurs. Amen. Les gens ont fait 3 jours. Ils sont en train d'écouter Jésus. L'homme de Dieu l'a dit. Jésus a eu compassion. La première des choses, il veut leur donner paix. Pour manger. Mais il a dit d'abord, avant que je ne vous donne le pain, asseyez-vous d'abord sur les ailes. Par ranger les 50, par ranger les 100, et ainsi de suite. 50 ans, c'est pas des chiffres comme ça. Il n'a pas fait, il prend le pain à soi par ranger les 2, mais il dit 50 ans. C'est-à-dire qu'avant que tu ne reçoives le pain, il faut d'abord t'asseoir. Tu vas t'asseoir où? Dans les herbes. Le jour de la Pâque, la parole du Seigneur déclare que vous allez manger la Pâque avec des herbes amères. Ah, les herbes amères, les prophètes, les apôtres ont interprété. Il dit dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront pas la scène.
ils se feront une foule de docteurs. Parce qu'ils veulent entendre ce qui est agréable à leur sourire. Donc la sainte doctrine est amère pour eux. Donc c'est la sainte doctrine qui est l'image des herbes amères. Donc quand Jésus dit auprès de Samson dans les herbes, c'est pour dire, avant que tu vois le miracle, il faut que d'abord tu sois assis dans la doctrine. Le miracle ne vient pas comme cela. Les Israélites disent, Seigneur, si tu as vraiment vu, tu te fais un miracle en moi. Il dit, génération méchante et perverse, il vous sera donné le seul miracle, celui de Jonas. De la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson. De la même manière, le fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc la terre est devenue poisson. Ah, le poisson qui a avalé Jonas, en réalité, c'est la terre qui a engloutit Jésus. Le poisson qui vomit Jonas, c'est la terre qui vomit Jésus. Dieu, il est un mystère. Alléluia. 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 Donc, ce qu'on te formait dans sa parole, frère, je vais t'exhorter. Quand tu arrives ici, ne sois pas pressé. Ça fait maintenant, depuis 2021, que nous sommes ici, nous sommes en 2023, ça fait 2 ans. En 2 ans, il y a beaucoup de personnes que je ne vois plus. Un jour, on était en train de faire une veillée des jeunes. Je leur ai dit, est-ce que dans 5 ans, on va se voir? Ils pensaient que c'était un jour. Les gens viennent, ils sont zélés. Mais ils oublient que celui qui a le power, qui n'a pas la doctrine, le vote dehors. Vérité. Et vous devez travailler de sorte à avoir la doctrine. Jésus est puissant en parole et en vie. On ne peut pas être seulement un côté, on est dans les deux. Tu es puissant dans la doctrine, puissant dans la démonstration. Alléluia. Dieu créa le monde au travers de la parole. Si tu es assis dans la parole, tu vas créer des choses. Alléluia. 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 Donc ce désert-là, il faudra le supporter. Pourquoi on doit passer par le désert? Dieu, il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il faut dire Dieu est merveilleux. Moi, je n'ai pas entendu Dieu est merveilleux. Quand on parle de Jésus, on ne parle pas de Allah. On ne parle pas de bon Gabana. Ce n'est pas de que nous on parle. Nous, on parle de Jésus. Amen. Pourquoi c'est parce que vous n'entendez pas la parole Gabana? Bangui. C'est ça, tu veux maintenant voir la mosquée du plateau. Faut écouter. Gabana. Bangui. Ou bien. Non. Tu vas passer par le désert. Alléluia. Mais pourquoi tu vas passer par le désert? Est-ce que c'est important? Il y a d'autres qui disent, eux, ils ne vont pas passer par le désert. Tout chrétien qui dit qu'il ne va pas passer par le désert, il ment. Regarde ici. Est-ce qu'une femme qui est stérile peut sentir les douleurs de l'enfantement? Elle ne connaît pas ça. Mais une femme qui est féconde va sortir les douleurs de l'enfantement. Or, Jésus pouvait dire que la stérile enfantera. Je t'ai stérile quand j'étais dans le monde. Mais la parole du Seigneur déclare que celui qui a le fils a la vie. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais quand elle rencontre Jésus, Jésus dit, une force est sortie de moi. C'est entré où? C'est entré dans la femme. Quand elle était en train de perdre le sang, elle était dans la mort. Mais quand la force est sortie de Jésus et entrée en elle, elle a reçu la vie.
Et la parole du Seigneur est dans le livre de l'Apocalypse que la femme est en train de crier dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement que tu as vues là-bas, en réalité, c'est le désert. Donc, si tu prétends être une femme féconde, tu dois passer par les douleurs de l'enfantement. Donc, il n'existe pas de quelqu'un de qui se dit chrétien qui ne passera pas par les douleurs de l'enfantement. Parce que les douleurs de l'enfantement, c'est ça le désert. Pour que le Christ soit formé en toi. Pour que l'enfant soit formé en toi. Quand Jésus était à la croix de Golgotha, laissez-moi vous donner une information, il était à la maternité. C'est-à-dire que la croix était devenue un hôpital. Et il y avait une jolie femme qui était en train de donner naissance. Oh, la croix, c'est la souffrance. Les musulmans nous posent la question, mais pourquoi Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, quand une femme est dans la salle d'accouchement, que ça va faire crier du bas. Oh, Jésus va crier. Pourquoi? Pour que la femme, l'enfant puisse sortir de son côté. Et l'enfant qui est sorti de son côté, c'est toi l'église. Amen. Donc il faut que toi aussi Dieu te fasse passer par les douleurs de l'enfant de mort. Il dit ce qui est arrivé au bois vert arrivera aussi au bois sec. Donc il était à la croix de Golgotha, il était bois. Jésus, souvent il a des paroles. Hein? Amen. Amen. Donc il était à la croix de Golgotha, il était bois. Alléluia. Et il t'a donné naissance. Il te formera. C'est la vie quotidienne qu'on connaît. L'enfant naît, il va commencer quatre pattes, il va grandir, il va connaître les réalités de la vie. Donc en Christ, il y a aussi des réalités. Il faut que je te dise quelque chose. Parce que dès que tu vas sortir de ce moment-là, la première personne qui va venir, c'est le diable. Mais il ne va pas venir avec des cornes. Non, frère. Parce que lorsque Jésus, comme le prophète l'a dit, lorsque Jésus est sorti de ses 40 jours de jeûne, de jour et de nuit, le diable vient le tenter. C'est-à-dire qu'en une seule fraction de seconde, tu peux perdre tout ce que tu as reçu en 3 jours. Je vais te donner le secret. Donc l'ennemi, dès que tu sortiras, il viendra avec la tentation. La tentation, c'est pas ce qu'on paye, il va vous donner. C'est pas gagné ou bien poulet, c'est pas nourriture. Il viendra mettre des situations devant de toi pour t'énerver. Oh, la parole du Seigneur déclare qu'elle ne donne pas accès au diable. Soyez très vigilants. Dès que vous allez sortir de ce moment, regardez. Il y a des gens qui chercheront à vous énerver. Il y a des gens qui chercheront à vous parler mal. Il y a des gens qui chercheront à vous faire quelque chose. Si tu réponds, tu perds automatiquement tout ce que tu as reçu. Voilà pourquoi, comme Jésus aussi ne voulait pas perdre le fruit de son travail, la Bible déclare qu'il a été mené comme une brebis muette. Il a gardé la bouche fermée pendant que les Romains étaient en train d'insulter. Mais si toi tu es le fils de Dieu, prophétise qui t'a frappé. Mais la force pour avoir la victoire, c'est le silence. Amen. C'est le silence. Parce que si tu n'as pas gardé le silence, tu vas garder tout ce que tu as eu aujourd'hui. Je vais donner le secret, frère. Tu vas m'appeler pour un témoignage. Et ceux qui vont te provoquer, ce n'est pas des païens. C'est ceux qui sont assis avec toi. C'est ceux qui sont assis là, c'est ceux qui ont été promis. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui permet que ta soeur te promette pour te voir.
vont venir te bloquer. Tu dis oh là. On te provoque. Mais le secret, c'est de garder la bouche fermée. Oh, le Seigneur devait combattre le peuple d'Israël. Il leur dit, gardez le silence. Je combattrai pour vous. Donc, c'est le silence qui donne la victoire. Alors, tu dois comprendre que pour avoir la victoire, c'est le silence. Est-ce que nous comprenons? Amen. Quand ils sont arrivés dans le jardin, ils devaient prendre Jésus. Hier, a fait sortir un couteau, comme lui-même c'était un voyou avant. Il a coupé l'oreille. Jésus dit, mon fils, calme-toi. Tu ne sais pas que pour vivre, pour vaincre l'ennemi, c'est le silence. Donc les gens pensaient que quand ils attrapaient Jésus, ils étaient en train d'avoir la victoire. Ah, il a gardé le silence. Il dit, c'est moi, prenez-moi. On demande aux gens, on doit choisir Jésus ou bien Barabbas. C'est Jésus même qui a fait qu'on choisisse Barabbas. Il a fait exprès. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sans que Dieu ne soit dedans. C'est lui qui est l'auteur de ça. Les gens disent Barabbas. Ils ont pris Jésus, ils l'ont mis à la croix de Golgotha. Il a fermé sa bouche. Dans les moments difficiles, ferme ta bouche. Pourquoi tu dois fermer la bouche? Tu ouvres la bouche, ça va te tuer. C'est toi qui sais dire tout ce que tu as comme projet à tes frères, à tes soeurs. Il y a des démons parmi nous. Les gens mangeaient avec Jésus. Jésus dit lui là, c'est un démon. Donc il y a des démons aussi parmi nous. Tu donnes ton projet. Tu donnes ceci, tu donnes cela, et tu ne comprends pas, ce n'est pas réalisé. Tu combats les sorciers de ta famille, ils n'ont rien fait, c'est quoi ce truc? Parce que tu as livré le secret. Faites très attention. Il faut savoir aussi souvent disparaître. Il faut aussi savoir se cacher. Parce que quand tu ne te caches pas, ce n'est pas bon. Quand Jésus opérait le miracle, il dit, taisez-vous, je ne veux pas que vous propagiez mon nom. Pourquoi? Parce que je suis dans le temps où je dois me cacher. Alléluia. Donc toi aussi, il te faut le temps où tu dois te cacher. On ne livre pas tous les secrets. Attention, dans le bus. Mon oncle même là, vraiment, il m'a dit d'aller passer tel concours. Vraiment, c'est... Dans le bac, hein, il divulgue le secret comme ça. Ah, d'accord, tu as les bassins. Merci. Merci. Ok. Sois béni, mon frère. Quand tu descends, sois béni. Sois béni, tu as bien prêché. Merci. Hey, ma tante m'a appelé. Elle m'a dit que l'année prochaine, elle va dans l'Europe. Dans Baka. Dans bus. Dans taxi, il y a des chauffeurs de taxi qui sont des sorciers. Regardez comment. Lui, il est le chef de discussion. Il cherche causer. Il va tirer des informations. Remarquez ces gens. Tu as assis dans ton véhicule, tu causes même pas lui. Hey, mon frère, il veut causer avec toi. Mon ami, je suis là pour vous causer avec toi. Faut oublier pas que je suis taxi dans la piste. Amen. Et beaucoup livrent les secrets au taximètre. Tu sais, tu as assis là, tu te réveilles. Tu as livré tes secrets au taximètre. Mais ce que tu vas recevoir, ou ce que tu as reçu ces trois jours, s'il te plaît, qu'il pointe. Ferme la bouche. Amen. Amen. Nous sommes aussi dans la semaine de l'orgueil. L'onction, ce n'est pas l'orgueil. L'onction, ce n'est pas l'orgueil. Il y a des gens, dès qu'ils ont fini de jeûner 2 jours, 3 jours, ils vont se jouer les power man. Ou encore les power woman.
tout ça pour démontrer à ceux qui sont là que lui a jeûné. Tu veux influencer qui? Et il y a des gens comme ça qui sont des lâches comme ça. S'il a plus de deux jours de jeûne, quand on dit délivrance, c'est lui qui est devant. Quand on dit temps, c'est lui qui est devant. Pour démontrer qu'il a jeûné pendant deux jours. Quand tu as fait ça, tu as cassé le verre. C'est mon Dieu. Amen. 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 Tu sais, souvent, là, il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas montrer à quelqu'un que le Seigneur a déposé certaines choses en toi. Mais laisse le Seigneur va libérer un petit moment. C'est que tu vas dégager. Les gens disent, c'est quoi ça? Donc faisons aussi attention à l'orgueil.